وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. En résumé, la khutbiyya, c'est l'ikhwani habillé en salaf. Et la haddadiyya, ce sont des takfiri habillés en salaf. Quand le fikr takfiri a été dévoilé, maintenant ils sont venus. Ils n'attaquent plus directement les savants salafis, mais ils utilisent certaines de leurs paroles et en délaissent d'autres pour répandre leurs idées. Et c'est une des caractéristiques justement des haddadis, c'est la tromperie. Ce sont les spécialistes dans la tromperie et dans la cachotterie et dans le fait de ne jamais se montrer. Tu regarderas tous les prédicateurs qui prêchent la haddadiyya, même leur site internet. Il n'y a pas de nom, il n'y a que des kunya. Tu ne sais pas qui est derrière. Si quelqu'un est sûr d'être dans la vérité, pourquoi il se cache? Tu regardes les sites gérés par les étudiants en sciences salafis, leur nom est là. On sait qui ils sont, on sait où ils sont, on peut les retrouver. Amma les sites des haddadiyya, non. Tu ne sais pas qui est derrière. Tu ne sais pas qui fait les traductions. Tu ne sais pas les textes, ils viennent d'où. Ils mettent des textes, on ne sait pas ça vient d'où. Tout est fait en cachette et en tromperie.